Huitième de finale, retour de la Copa del Rey. Barcelone accueille l'Athletic Bilbao au Camp Nou. Avantage pour les Basques qui se sont imposés 2-1 lors du match aller. Barcelone doit réaliser une grande partie. La première possession, elle est pour Eraso. Le débordement d'Eraso, Samuel Umtiti et Jordi Alba pour le dégagement. Iniesta, quel ballon d'Iniesta pour Neymar, la passe de Neymar pour Luis Suarez, 1-0, mais but refusé pour hors-jeu. Alors j'ai Neymar, Neymar. Oh, sinon j'ai une question, Omar. Pourquoi il tire pas Neymar? Parce que lui n'est pas hors-jeu. Il n'est pas hors-jeu, Neymar. Mais oui, mais c'est ce qui est... Et c'est lui qui a signalé hors-jeu, pourtant. Avec un petit peu de chance, là, Messi maintenant pour Neymar. Le coup d'œil plein axe, il y a du monde. Neymar avec un centre vers Luis Suarez. La volée de Luis Suarez, merveilleuse. Le déclic pour le Barça, 1-0 face à l'Athletic Bilbao. Quel golazo à la Luis Suarez. Et oui, c'est ça que ça reste aussi extraordinaire, parce qu'au moment où on sent qu'il devient presque impossible, E3, il est rendre faisable. D'abord une balle, voilà, entre trois. Messi la couvre, il est entre trois joueurs. La balle, il ouvre bien. Cette fois-ci, Neymar prend le temps un peu trop comme d'habitude, mais il va trouver son deuxième poteau. Ça, il ne peut pas se permettre non plus d'aller chercher son deuxième but. On sait qu'ils sont fragiles. Bonne ouverture d'Umtiti sur Neymar. Neymar face à El Ustondo, le Brésilien est passé. Penalty. Les dribbles déroutants de Neymar, tout de suite sanctionné. Oui, en plus il était très proche, l'arbitre. Il va gagner d'abord en vitesse parce qu'il laisse, il la touche là. Je crois que c'est en tombant, hein, la glissade. Neymar pour ce penalty, il a besoin de marquer, il arrête totalement sa course d'élan. Neymar face à Iraissos et il le marque, ce but qui va lui faire beaucoup beaucoup de bien. Quasiment trois mois après son dernier qui datait du 19 octobre, Barcelone 2, Athletic Bilbao 0. Iñaki Williams en bonne situation, le centre touché par Jordi Alba et Lustondo est bien placé. Le centre de Lustondo et le but pour Bilbao. Umtiti est trop court, Saborit vient marquer pour les Basques. 2-1, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Et voilà, comme juste on disait, il n'y a rien à changer. La première fois où Lustondo va être... Messi. Bien joué Messi face à Aymeric Laporte. Là voilà la décision pour Léo Messi vers Luis Suarez. Le sauvetage de Boveda. S'il marque là, on s'en va. Hein. Le coup franc de Messi. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que non, que les autres... Que... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Et un peu premier poteau, deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne l'est pas. Mais le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro. Tout, il a lui la main, pique. Voilà. Et si vous voulez pas vous lever, même à 11h du soir, et crier Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre. Et vous pouvez pas rester dans un domaine de contrôle, de positionnement. Il faut toujours... Neymar face à Sousa Eta qui est entré en jeu. Bousculé Neymar, il résiste le Brésilien. Festival de Neymar sur le poteau. Sergio Roberto. Mauvaise passe. Barcelone se qualifie pour les quarts de finale de la Copa del Rey. Un succès difficile. 3-1 contre Bilbao. La MSN a marqué. Et donc le tenant du titre sera à présent en quart de finale de la Coupe du Roi.